Eh bien salut tout le monde, ici Azarab, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur State of Decay Breakdown, encore une fois, l'épisode 5, c'est parti. Donc, cette fois-ci, on déménage, et nouveauté, il y a ma tronche, bon je sais pas si c'est mieux avec ou sans, j'ai des gros doutes là-dessus, mais, pour en revenir au jeu, on va essayer de déménager. Alors, vous avez peut-être remarqué que c'est très pauvre en musique. Et j'ai eu des problèmes avec YouTube. Au niveau musique, hein, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de problème. Du coup, j'ai décidé de la désactiver. Mais je rajouterai des musiques libres de droit au montage. Histoire qu'il n'y ait pas de problème, qu'elles soient pas bloquées dans je sais pas combien de pays. Enfin, je préfère être sûr. Parce que j'ai pas envie de faire... des vidéos pour rien. On vient juste de terminer un projet de construction. On a survécu un jour de plus. Ok. Ressources bonus collectées. Nickel. Parfait ça. Sauvage nuit. Ok. Bon. Là il y a une infestation. Ah. Oui, deux secondes. Il y a quoi de nouveau sur le... Alors, le jardin est fini. La zone de repos est finie. La tour est finie. Ça, c'est nickel. Je vais mettre ça. On sait jamais. Bon. Alors, il nous faut de l'essence. Ah bon, on va essayer d'aller voir l'infestation qui est en face. Peut-être que... Il y a de l'essence. Alors, où c'est que je vais, moi? Non, c'est par là. Ah, voilà. Tout ça s'est construit, la tour, bon, elle est plutôt médiocre, mais c'est déjà ça. Ça, c'est le dortoir. Ouais. Il y a des bruits chelous, là. Je crois qu'on entend les zombies d'un peu loin. Ah oui, il y a un hurleur, là-bas. Où est-ce que je pourrais trouver de l'essence ? Je vais déjà prendre une voiture. Parfait. Ah, le jour va se lever, j'ai l'impression. C'est une bonne nouvelle, ça. Faut que je fasse gaffe avec cette bagnole parce qu'elle est super fragile. Ok. Il faut absolument qu'on trouve notre essence là. Ça c'était visité. Hop. Self storage. Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Est-ce qu'il y a des portes? On peut rentrer dans ces bâtiments. J'espère bien. Une échelle qui mène au toit. Je crois pas qu'on puisse rentrer, c'est pas grave. Non, ça va. J'y ai cru. J'ai bien cru que j'allais me péter une jambe. Il y a du zombard. Ça sert à rien de rester là. On peut pas rentrer. Ok. Alors où est-ce qu'il peut y avoir de l'essence là-dedans? C'est dingue ça. Dans une maison? Pff, ça m'étonnerait, mais... Oh shit de merde, ils m'ont fait flipper ma race. Oh merde. Voilà, le souci c'est que cette arme... Oh le bug. Le souci c'est que cette arme est un peu lente, j'ai l'impression. Putain, ils m'ont fait flipper.
C'est pas sûr qu'ils arrivent à s'en sortir. Ah. Survivants disparus. J'ai pas regardé l'état des survivants. Disparus. Merde. Malade. Maladie grave. Oh. Ah! Oh! Ah, attends, il y en a que... Non, faut que je rentre, faut que je fasse quelque chose. Faut que je fasse l'émission... Faut que je fasse l'émission de mes survivants, là, parce que ça va pas, là. C'est bien beau de vouloir déménager. Alors. Survivant disparu, rechercher les signes d'activité. Oh, ça va, s'il est parti juste derrière, ce serait tant mieux. Il serait là, il serait dans ce bâtiment. Il y a peut-être de l'essence ici. Tiens, mais... Merde. Il est où? Dis pas qu'il est mort. On va fouiller, on va en profiter pour fouiller. Donc apparemment il est pas ici le mec. J'espère que je vais pas le perdre parce que c'est pas le moment de perdre des gens, surtout qu'on va peut-être sûrement bientôt déménager quoi. Tout simplement. Au mieux. Éviter de perdre des gens. Ah, matériel. J'en prendrai un. Est-ce que celui-là, je peux faire un avant-poste? Ouais, c'est quoi qui fait ce bruit-là? C'est mes chiottes? Mes chiottes ou mes lavabos qui viennent de faire... Enfin bref. Trouver des matériaux, ressources matérielles, message à la base, on va appeler les pillards, hein, puis c'est tout. On n'a pas vraiment le choix. Pillard en approche, ok, pas de soucis. Je vais vite fait. Putain, c'est pas maniable comme bagnole ça. C'est trop sensible. Ok, on va juste ramener... Est-ce que c'est une porte, ça? Nickel. On va juste ramener ça, comme ça sera fait. Voilà, 44. Et il y avait une porte, là. Tu peux me laisser passer, Je sais pas, moi je dis ça, je dis rien. Non, elle veut pas me laisser passer. Bon, bah... Ouais, tant pis. On y est, je commence à faire l'inventaire. Okay. Coursier arrivé, début de la recherche. Bon, désolé si je parais un peu crevé, tout ça. Enfin, je suis pas en train de m'endormir sur place, mais... Et voilà. Alors, il serait juste là le mec. Ouais. On va bien voir. J'espère qu'il est pas mort ce con. Oh, des coups de feu. Ah non, ça venait de la base. Ok. N'approche pas, contente-toi de rester à l'écart. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a ce con? Eh merde. Je sens que ça va pas le faire là. J'ai l'impression que qu'il va pas bien. Putain, ça arrive en masse. Stay away!
Stay sharp, this isn't over. Now, I wouldn't say no to a hand, but... Ok. Une autre vague. On profite pour fouiller, pour prendre. Un message radio. Ok, il va falloir que j'attende avant d'appeler les pillards. On a des zombies à gauche. Laisse mes fenêtres, toi! En fait, dès que je sors, il est en train de crever, quoi. Faut vraiment que je reste tout le temps après, côté de lui. Mon nez, tu déchires, c'est tout ce que j'ai à dire, ok. Qu'est-ce que t'as, mec? Allez, lève-toi, là. Tu l'as eu. You, my friend, you rock. There, I said it. Allez voir comment va un survivant. Je te remercierai jamais assez. Survivant disparu, a défendu l'enclave. Ouh. Peut-être dans la panade. Bon, en fait, ce que je redoute, c'est qu'il soit infecté. D'ailleurs, il y en a un qui est en maladie grave. Ça, c'est à vérifier de toute urgence, quoi. Ouais, le pillard. Bon, plus 15 matériaux encore, donc ça c'est bien. On va appeler le pillard. Hop. J'ai trouvé des provisions, on voit des coursiers. C'est parti. Pillard en approche. Alors, malade, maladie grave. Qu'est-ce qu'ils entendent aussi par maladie grave? C'est ça le souci. C'est ça le problème. Puis les ressources bonus, à chaque fois, il n'y a pas d'essence. Il y en a peut-être là-dedans. Ça, il y a une infestation, mais j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Et par là, tête de con. Viens ici. Ouah, j'ai fait quoi? Merde! J'ai posé le sac comme un débile. Oh le con. Il y a des coups de feu qui doivent venir de la base. Oh! Cette arme est un peu lente quand même, hein. Elle crève, toi. Oh là là, saloperie. Ça, je peux le reprendre. Je crois que je t'ai pas vu, toi. Allez, meurs. Ouais. Y'a rien du tout! Super! C'est génial! J'aime bien quand y'a rien. Qu'il n'y a rien à récupérer, c'est... Oh, il me faut cette essence, il me manque un d'essence, quoi. Pourquoi on peut pas, genre, convertir les items en ressources? On peut faire l'inverse, mais pas les items en ressources, c'est dommage. On aurait pu prendre des cocktails Molotov et faire une unité d'essence, quoi. Ça aurait été bien. Alors, je vérifie l'heure. Ok, 19h17. Hop. T'es crevé, ouais, je sais bien que t'es crevé. Tu prends un snack. I'm almost there. 59 de matos. Bouffe et médicaments, c'est plein craqué. On peut en rajouter. Hop.
C'est quoi ça? Station service, ça c'est fouillé. Entrepôt, celui-là il est pas fouillé. Assiégé. Pilleur. Infestation. Chasse aux zombies. Opportunité d'échange possible. Je vais aller voir là-bas. Parce que si eux, ils peuvent venir chez nous, il y a moyen qu'ils nous ramènent de l'essence. Donc ça peut être sympa. Et en plus, ils nous rejoindront, quoi. Donc ça fera plus de monde et des ressources. Donc c'est toujours bon à prendre. On va y aller tout de suite. Je pense que je vais checker ça après. Tu vas te brûler si tu ne viens pas à la maison et rester un peu. Ah, ça va. Normalement, approvisionnement, normalement, et Ernesto s'en occupe. Ah oui, là, oui, pas de souci. Je te laisse tranquille, Ernesto, moi je me casse. Lily est triste. Perte d'espoir. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Démoralise tout le monde. Bon sang, tu veux bien la fermer? T'es pas une psy, je n'ai pas envie d'ouvrir mon cœur ou de partager mes sentiments. Alors va te faire voir. Voilà, vache, eh oh. Détends-toi, là, ma vieille. Hein. Va falloir que j'aille la voir, parce que là... Je rentre à la maison. Ok, il va ramener de la bouffe, ça c'est cool. En attendant, on va aider nos amis de l'autre ville, de l'autre quartier de la ville. Je crois que ma confiance avec eux était assez élevée, donc il y a peut-être moyen de... Oh, ninja, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, confiance, ouais, elle est presque... Ah, ils ont de l'essence en plus. Aider à détruire les zombies blindés. Ok. Eh bien, vas-y, ouvre la voie. Bon, c'est parti. Viens avec moi, mon gros. On va chercher du zombie blindé. Y a pas de problème. On va essayer de faire ça vite fait. Qu'est-ce que c'est lent comme bagnole, ça. Bref. Ouah, c'est en feu, c'est en feu. C'est lent et c'est fragile, j'ai l'impression. Ouais, c'est chaud. On va essayer de faire gaffe. Hop, on va descendre ici doucement. Pour l'instant, j'en vois pas d'autres des zombies blindés là. Oh merde! Non! Allez, on se les fait, on se les fait! Ça, quand on a deux, ça va beaucoup plus vite. Qu'est-ce qu'il y a ici? On va fouiller. De toute façon, il n'y a que deux endroits à fouiller. À la maison. À la maison. Matériel, on va prendre. On fouille à la maison. Il va être quelque part ce coin. De bien être quelque part, lui, c'est pas possible. This one's clear. D'accord, il est pas là. Watch behind us.
Mais raté. Je fasse gaffe parce que ma bagnole est presque morte là. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Surtout avec les hordes qui traînent. Oh, non. Deux zombies signalés. Ouais. Ah, zombie blindé. Est-ce que c'était celui-là? Je ne pense pas. Ouais, il est bizarre celui-là. Ouais, il était chelou, il était tout ensanglanté et tout. Payé pour notre peine, donc ça c'est bon. Je vais retourner les voir. Ah, la confiance est pas à fond encore. Oh, merde. Tant pis, je vais fouiller autour de chez eux. Je vais fouiller autour de chez eux, il y a sûrement moyen de trouver un peu d'essence. J'espère. Wow, j'ai eu un vieux freeze. Oh là là. Il y a encore des choses à faire là-bas. Tu parles de quoi? Je vérifie qu'il n'y a pas une station service qui traîne en fait. Il me faut de l'essence, c'est dingue. Ça, c'est la caserne de pompiers. Il y en a peut-être, je sais pas. Ah, merde! C'est chaud là, je suis fatigué. Ça va. Ouais, non, m'étonnerait qu'il y ait de l'essence ici. Ça m'étonnerait fort. Hop hop hop, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Parfait. Comment on lâche le sac déjà? Comment j'ai fait tout à l'heure? Comme ça. Ok, I'll run this home. Le sac de matériel, je vais le laisser là, c'est pas grave. Putain, ils sont sérieux là. Oh merde, 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 merde. Oh putain. Poussez-vous. Oh là 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 là. J'espère qu'elle va pas exploser la titine. Aïe aïe aïe. Presque. C'est moi ou Ernesto, il a un peu de mal là. Bon, je vais aller déjà ramener ça. How's it going?
Heads up, coming in hot. Attention, ça va être chaud. J'arrive. Found this while I was out. Ça, c'est bon. Donc ça, camping-car, essence, c'est parti. 4 minutes. Est-ce qu'on a le temps? À mon avis, ça sera pour la prochaine fois. Merde, les gars, faites gaffe! Things are starting to sound pretty urgent. I don't know how long our friends can hold out. And time's not exactly on our side, if you know what I mean. Il y a encore mes chiottes ou je sais pas quoi, qui fait un bruit bizarre, c'est trop chelou. Ça fait des bulles le truc. Je crois que c'est mes chiottes, je sais pas ce qu'elles ont. Bon allez, on va vite fait voir Ernesto, parce qu'on dirait qu'il a un peu de mal, et puis après, on va se séparer ici. On dirait qu'il a vraiment du mal, hein. Better do one more sweep, make sure everything's clear. Hey, that wasn't the last of them. Oh. Bon, il en reste un dehors. Crève. That's the kind of shit I like to see. Ouais. The situation out there has changed. Survivant en danger, Cassidy a survécu. Quoi? Ah merde, c'est vrai, c'est une mission que j'ai pas faite, je crois. Bon, c'est pas grave, tant qu'elle a survécu, c'est bon. Super aide dégagée, confiance gagnée, progression de mission, parfait. Je pense qu'on va s'arrêter là. Monsieur ramène la bouffe, et puis la prochaine fois, on va pouvoir se faire la malle avec le camping-car, ça c'est bien. On va pouvoir aller dans la troisième ville, je sais pas trop ce qu'il y a dans la troisième ville, mais... Voilà, mais paraît-il que il y a de gros bâtiments qui peuvent servir de base, plus gros que ça, enfin vraiment un truc bien défendu, des camps militaires et tout. So, I've been sketching some plans in my spare time, and I think I hit on something. I don't want to name names or anything, but we've got some out-of-shape people around here. If we set aside a little space for a training area, we could make sure everybody's ready for all that fence hopping. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Efficace pour le fitness et l'entraînement au combat. On sent une zone d'entraînement. Ouais, mais non, mais ça, je ferai ça quand on aura bougé. En attendant, on fait rien du tout. On a déjà suffisamment de trucs pour survivre. Le strict minimum, des lits, une cuisine, un hôpital, un jardin, puis voilà quoi. Zone de stockage. Alors, conservation de la nourriture. Ah, tu peux faire une amélioration comme ça, c'est pas mal. Bon, on a fait ce qu'il fallait, on a fait notre objectif, remettre à neuf le camping-car. D'ailleurs, il reste combien de temps? 2 minutes. Ouais, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Bon, c'est tout. On fera ça pour la prochaine fois. Ça sera l'épisode 6, il me semble. En attendant, moi, je vais continuer le sport. En y mettant un peu plus du mien. Parce que là, je sais pas ce que j'ai. Bref. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu, même si c'était un peu pauvre en gameplay et en bondissement. J'ai l'impression que... J'ai peur que vous vous fassiez chier sur cet épisode, en fait. Mais bon. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à commenter. Et on se retrouve très bientôt pour la suite, l'épisode 6. 5 6 Non, oh, 6 L'épisode 6. On sera dans la troisième ville, voilà. Donc je vous dis à tous bonne soirée, bonne journée, et à la prochaine. Ciao tout le monde!